La vie, c'est complexe. C'est pas pour dire que toute cette complexité, il faut s'en soustraire, mais au contraire, aller de front et voir toute la complexité, toute l'envergure, toute la chose dans sa grandeur totale. Parce que autrement, on va fuir dans une zone de confort où l'esprit sera amorphe et ne voudra pas faire d'efforts pour aller au-delà de son rythme conditionné qui se répète tout le temps de la même manière. Parce que c'est ça notre problème. C'est que nous trouvons dans cette vie le moyen de dormir. Et quand nous dormons, nous croyons que là, c'est mieux. Donc on ne fait rien pour essayer de d'éveiller l'esprit à toutes ces choses complexes. Pourtant, c'est le seul moyen qu'il y a de découvrir que toute cette complexité est en fait quelque chose de très simple. Mais c'est parce que tu es embrigadé dans toutes sortes d'appréhensions, de résistances, de peurs, que cette simplicité devient très compliquée pour comprendre. Parce que tu es devenu toi-même très complexe. Ce que tu es est complexe. Et c'est ça le problème. C'est que la complexité n'est pas ce que la vie propose. La complexité, c'est que c'est toi, comment tu es face à cette vie. Et tu crées beaucoup de confusion dans ton esprit parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, des peurs, des angoisses que tu n'existerais pas, que tu serais rien. Donc tu as peur de réfléchir à tout ça, de mettre l'évidence en jeu, faire face à la réalité de ce qui se passe. Et quand toute une vie on t'a expliqué comment tu devrais être, comment tu devrais réagir, alors c'est imprégné dans un sens qui te donne une allure qui devrait être acceptable. Donc on se donne tous l'apparence que toutes les choses sont comme on aimerait. Et comme on aimerait, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se soucier de cette vie qui nous bouscule. Donc l'être humain se conditionne à ne plus réfléchir. L'être humain se conditionne à être très occupé. C'est-à-dire que tu as plein de choses pour lesquelles tu es intéressé et qui t'envahit l'esprit. Et ton esprit n'est plus tranquille. Parce que justement, pour explorer cette simplicité, tu as besoin d'avoir l'esprit totalement libre, libre de tout ce que tu penses. Parce que tout ce que tu penses, c'est justement, ça crée cette complexité en toi que tu puisses être complètement déphasé avec la réalité. Tu ne comprends pas ce qui se passe, parce que tu écoutes ce que la pensée voudrait faire exister. Et la pensée fait exister ce que nous vivons. Parce que tu t'es identifié à cette pensée qui va te rassurer, te donner une image de toi pour pouvoir te rassurer face à cette évidence qu'il y a. Et cette évidence, elle est tellement grande, tellement énorme, que ton petit être qui vient à être construit par tes expériences, tes envies, tes peurs, tes angoisses, lui, il ne peut pas comprendre tout ça. Donc, il se complique la vie. Il se rend beaucoup plus complexe pour essayer de se cacher derrière des images qui représentent la réalité, des concepts qui représentent la réalité. Donc, tu es toujours investi dans une croyance, dans une façon de faire, dans les habitudes, les train-trains,
Et ça te limite. Et quand tu es limité, alors l'esprit devient confus. Parce que la vraie nature de ce que tu es est la liberté. Et quand tu ne peux pas être libre, alors il y a dualité dans l'esprit. Ce que tu es est libre et ce que tu aimerais faire exister n'est pas libre, est limité. Donc il y a toujours un conflit. Et tu te retrouves avec une division en soi qu'on appelle l'apparence et qu'on appelle la réalité. Donc tu montres seulement ce que le monde veut voir. Et ça te soulage parce que tu es reconnu, le monde te reconnaît, le monde te dit, ah oui, c'est bien, lui, il est à la norme, il est riche, il a ça, il fait ça, il connaît ça. Donc, en fait, on passe tout son temps à écouter ce que le monde propose. Le monde te propose de réussir. Il faut que tu réussisses parce que si tu veux vivre dans un monde où toute la société s'active, alors il faut que tu sois l'élément de cette société-là, qui soit conforme à cette société-là. Donc, tu t'enrôles dans des rôles pour faire exister encore plus de sociétés. Tu dis, moi je suis un tel, moi je suis président, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et en fait, tous ces rôles nous permettent de faire exister tout ce mouvement de la conscience. Et ce mouvement, justement, c'est le mouvement de la complexité de ce que la pensée a mis en place. Alors que la vie, si tu laisses tout ça, tout d'un coup, s'il n'y a plus tout ça, il y a juste une grande simplicité. Il y a juste de l'amour, de la joie, de la paix. Mais le pire ennemi de nous-mêmes, c'est ce qu'on fait pour pouvoir s'échapper à ça, pour pouvoir s'éloigner de cette grandeur qui est en ordre, en harmonie. Parce que nos esprits sont tellement habitués à être dans la confusion que on ne sait pas quoi faire quand il n'y a plus de confusion. Donc des fois, tu sais bien comment ça se passe, tu n'as pas de problème, et puis tout d'un coup, tu cherches des problèmes, et que dès que tu en trouves un, ben, tu t'accroches à ce problème-là et tu essayes de le résoudre. Donc on ne veut pas vraiment se libérer de toute cette activité mentale, parce que quand il n'y a plus cette activité, il y a la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que ce que tu es, c'est un grand silence, un grand vide. Et c'est seulement à ce moment-là que l'esprit peut opérer dans ce grand vide, dans cette grande quiétude, où l'esprit n'est pas omnibulé par les choses que la pensée propose. Parce que les choses que la pensée propose rendra confus l'esprit. Et c'est pas ce que tu veux, mais c'est ce qui se passe. Parce que tu es omnibulé, tu es dans la compulsion, dans le réflexe, et tout ça se joue malgré toi. Tu voudrais la paix, mais tu fais la guerre. Voilà comment ça se passe. Et le monde est comme ça. Donc, il faudrait savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire, mais nous faisons quand même. Pourquoi se faire quand même fait en sorte que je suis dans la complexité de fuir quelque chose pour montrer ce que j'aimerais faire exister. Et ce que tu aimerais faire exister, c'est justement tout la zone de confort que tu as construit. Et cette zone de confort, c'est la pensée qui te le donne, c'est toutes les références de ton passé que tu as ramenées dans le présent et que tu t'es identifié à ça. Et tu as dit, ben ça c'est ma maison, ça c'est ma sécurité, c'est ma façon de vivre, c'est ma religion, mes façons de regarder les choses. Et quand tu emmènes tout ça dans le présent, eh ben le présent est constitué de ce que le passé propose. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On propose tout simplement les références de qui on est, de ce qu'on a compris, le résultat de tout ce que tu as vécu est ramassé et tu l'exposes dans le présent où tu rencontres les événements.
Et ça fait que tout ça, ça se perpétue de la même manière. Tu n'es pas libre. Tu vois, toute cette activité que nous avons, c'est cette activité qui fait que le monde perpétue toujours les souffrances de la même manière. Parce que c'est quoi la souffrance? La souffrance d'un monde qui ne veut pas abandonner toute cette activité, toute cette effervescence que l'on a, ces désirs que l'on a à faire exister une vie qui n'existe pas. Parce que tu veux faire exister une vie que tu aimerais avoir pour ne pas être en face de la réalité. Et la réalité, c'est que tu n'es rien. La réalité, c'est que tout se passe derrière l'image que tu montres. Donc, tu tentes à vouloir montrer l'image de ce que tu es plutôt que ce que tu es en réalité. L'image, c'est une fausseté. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai. C'est la fausseté de soi. C'est un simulacre de ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai n'est jamais vu comme c'est. N'est jamais accepté comme tel. Tu imposes quelque chose qui n'est pas vrai, c'est-à-dire l'apparence, c'est-à-dire le rôle que tu fais pour pouvoir exister encore dans le système que tu as construit. Et ce système que tu as construit est étroitement lié à quatre murs de prison. Tu n'as pas la liberté. Tu ne sais pas ce que c'est être toi-même. Tu sais seulement ce qu'il y a de se faire une vie pour soi. Parce que la vie que tu as à ce moment-là, elle est limitée à quatre murs. C'est-à-dire ma maison, ma voiture, mes enfants, mes affaires. Et c'est ça que tu as comme vie. Mais là, tu es emprisonné avec ce que tu as gagné, ce que tu as pu amasser. C'est-à-dire toutes les images que tu mets sur les murs de ta prison, tu existes à travers ça. Tu comprends la liberté puisque tu as mis une image de la liberté sur les tableaux sur les murs de ta prison. Parce qu'en regardant dehors, tu appréhendes. Donc tu préfères imaginer ce que c'est la liberté. Mais tu n'es jamais libre. Tu n'es jamais sorti des murs de là où tu es emprisonné. Et les murs que tu as fabriqués, ce sont tes peurs. La peur de voir la réalité que toi, ce que tu es, c'est pas ce que tu pensais. Et ça effraie beaucoup de monde. C'est pour ça que toute l'activité mondaine se joue là, dans l'apparence. Parce que l'apparence, on a donné beaucoup d'importance à l'apparence. C'est-à-dire ce que je suis devenu est devenu. Très important. Et quand on est très important, alors il y a une arrogance, une certaine arrogance qui se met en jeu parce qu'on trouve toujours plus petit que soi. On trouve toujours quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de où je suis arrivé. Donc il y a de l'arrogance. Mais tout ça, c'est une simagrie. C'est du cinéma. On fabrique un film et on se le joue en croyant que c'est vrai. Parce que ce que tu es n'est pas vrai. Tu ne peux pas être quelqu'un puisque tu es rien. Celui qui se croit être quelqu'un, il devient obsédé par le rôle qu'il doit jouer pour pouvoir garder le quelqu'un qu'il est devenu, l'image qu'il prône. C'est quand il n'y a plus de rôle pour pouvoir paraître face à l'autre dans la relation qu'il y a la paix. Parce que à ce moment-là, tu n'es plus en dualité avec toi-même. Tu vois la vie juste comme elle est. Juste comme elle est. Tu n'es pas embrigadé dans la division de toi-même, où d'un côté tu vas montrer
au monde ce que le monde attend, et de l'autre côté, tu vas cacher, tu vas mettre sous le tapis ce que le monde ne veut pas voir. Donc, tu es divisé. Tu n'es pas authentique. Tu n'es pas vrai. Tu joues un rôle. Parce que ce que tu es, c'est l'entièreté de ce que tu es. Et non divisé. Parce que celui qui divise crée justement le chaos, la rivalité. Et la rivalité ne peut pas exister dans un monde où l'harmonie et la paix devra exister. Donc, c'est quand cesse la dualité en soi, qu'on s'est accepté tel que l'on est, que là, il y a le repos d'esprit. Autrement, il est en dualité entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Parce que tout le monde te dit comment tu devrais être. Donc, tu voudrais faire plaisir au monde pour que tu puisses exister à leurs yeux. Autrement, t'es rien. Autrement, on te met de côté. Donc, c'est ça la peur. Ta peur, c'est de ne pas exister. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça la plus grande peur qui existe sur la planète? La peur de ne pas exister. La peur de se retrouver seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être considéré. En fait, toutes ces peurs, ce sont des appréhensions que tu fais parce que tu ne veux pas voir la réalité. Mais si tu sais que la réalité, c'est comme ça, que tu es rien et que tu l'acceptes, alors il n'y a plus d'appréhension. Il n'y a plus quelqu'un qui cherche à être ce qu'il n'est pas. Parce que c'est justement quand tu n'es pas qu'il y a des problèmes. Mais si tu es rien, il n'y a pas de problème. Parce que le monde est constitué de problèmes parce que nous voulons nous imposer les uns les autres à être ce que nous ne sommes pas. Et ça, ça crée de la division dans le monde. Il y a le chinois, le mâle bas, l'américain, le grand, le petit, le joli, le vilain. Parce qu'on a comparé, on se donne une image et on compare avec ce qui est bon et pas bon. Et quand on fait ça, ben, il y a juste un clash avec l'environnement, avec la relation. Parce que tout le monde exige de l'autre que les choses soient comme j'aime, selon mon image. Je veux que tout soit fait selon ce que je considère être bon. C'est pour ça qu'il y a des escarmouches dans nos relations. Parce que tout le monde veut se faire valoir. Chacun regarde midi à sa porte. Et on n'accepte pas l'autre. On accepte, oui, à condition qu'il se soumet à ta volonté. Qui se soumet au goût que toi, tu attends. Et c'est ça notre grand souci sur la planète, c'est que nous attendons que l'autre puisse nous donner ce qu'on attend. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. C'est quelque chose de facile à voir. Si tu ouvres les yeux, tu regardes, c'est la vie que nous avons. Tous, nous faisons ça. Disons pour la plupart, nous le faisons. Nous vivons dans l'attente qu'il y a quelque chose qui viendra pour moi, pour que je puisse être content. Et si quelque chose arrive et que je ne suis pas content, c'est que l'autre n'a pas fait ce que je voulais. Il a fait seulement selon son intérêt à lui, mais pas selon mon intérêt. Donc, on a des relations de contradiction, de rivalité. C'est pour ça que tout ce que tu es, c'est une source de problèmes. Ce que tu es devenu selon ton apparence, selon ton goût, selon tes conclusions, selon les références que tu as récupérées de ton passé, ben, c'est toi qui crée le problème. Parce que tu voudrais que les choses soient comme d'habitude, comme je me sens bien. Et
ce ne serait pas ça qu'on appellerait de l'égoïsme, de ne penser qu'à soi, toujours son intérêt, et ne pas accepter les choses autour de soi. Parce que sache bien que quand tu acceptes les choses, ça veut dire que ton esprit est en paix, tu n'es plus en contradiction, tu es en harmonie avec toi-même et tu ne vois plus la différence. Tu vois juste la beauté du tout. Tu ne compares pas, tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Tu aimes, c'est tout. Et c'est cet amour qui va unir les esprits. Parce que quand il y a cet amour, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui joue avec l'intérêt personnel, avec ce qui est bon ou pas bon. Il n'y a plus personne qui considère ça. C'est-à-dire que l'amour, quand tu es dans l'acceptation, quand tu es amour, tu considères l'autre comme un tout. Tu considères l'autre comme toi-même. Tu ne dis pas ça, celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien. Ce sont que des êtres humains autour de toi, peu importe ce qu'ils font. Parce que le bien et le mal, c'est quelque chose qui est inventé pour faire en sorte que quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, eh bien, que je puisse le rejeter. Et donc les gens sont rejetés, parce que les gens sont comme ils sont. Et si toi tu regardes toujours les gens pour être à ton goût, eh bien, tu peux toujours pleurer. Parce qu'il n'y a personne qui viendra te consoler là. Tout le monde est différent. Il n'y a personne qui pourra te donner ce que tu veux à 100% à ton goût. Personne sur la planète peut faire ça. Donc, le problème, il est en toi. C'est à toi de voir comment, pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu as considéré que les autres devraient accepter tous mes rêves, mes envies, mes humeurs. C'est pour ça que se regarder là où est le problème, c'est la chose la plus compliquée sur la Terre. Parce que tout le monde prône son innocence. Et il va dire que moi, je suis comme ça, c'est parce que je suis habitué comme ça, c'est ma vie, ma maman m'a dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, on a créé un monde disparate où tout le monde se rivalise les uns avec les autres. On n'est pas d'accord. Pour être d'accord, il faut abandonner cette notion de moi pour pouvoir accepter que je ne suis rien. Et quand tu sais que tu es rien, alors tu ne cherches plus à être ce que moi propose. Tu es tout simplement ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une expression de l'amour, une expression de la vie qui harmonise l'esprit. Ton être est en harmonie. Tu n'es pas en contradiction. Tu ne juges pas, tu n'attends rien, tu ne veux rien. Tu es là, présent, avec tout ce qui se passe. Et tu laisses les choses se passer sans intervenir. Ça veut dire que tu ne réagis pas au mouvement à l'extérieur de toi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? L'esprit est en paix. Et un esprit en paix, quand tu es en paix, quand tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es celui qui regarde la scène sans rien faire, alors tu n'embêtes plus personne. Et les gens qui passent, qui sont dans tous leurs états, s'ils te voient, ils ont envie de venir vers toi pour s'appuyer sur ton épaule. Parce que tu as une épaule large où tout le petit, le grand, le gras, le bon, le mauvais, ils peuvent venir s'appuyer sur toi. Parce que tu ne compares pas. Apprends à accueillir l'autre sans jamais dire un mot qui soit dans ton intérêt. Sans jamais juger, sans jamais comparer. Et quand tu apprends à faire ça, tu apprends à te libérer de toi-même, à te libérer de toute cette effervescence qui veut toujours plus, toujours mieux pour moi, moi, moi. Et c'est ça l'ennemi de toi-même. C'est toute cette activité que toute
tout un chacun cherche à faire exister. Donc, la connaissance de soi, c'est de comprendre ça, de comprendre qui tu es. Et ce qui tu es là, c'est l'ennemi de toi-même. Et quand tu as compris, quand tu as vu qu'est-ce qui se passe, l'intelligence fait que tu abandonnes avec grâce celui que tu appelles moi. Moi, il a sa place. Mais quand moi veux être celui qu'il n'est pas, il n'a plus sa place.